compagnie de Richard Poel, l'animateur du Hara, du lieu des champs où est né Runtos Ganamos, le vainqueur du prix Congrès édition 2022. Richard, tout d'abord, votre émotion à chaud d'avoir remporté cette course? C'est une très grande joie parce que c'était le cheval dans la Réunion qui était élevé, Magdalene Bryant, et c'est un très très bel hommage qu'on peut faire à cette grande dame. Ravi aussi pour David parce que c'est quelqu'un qu'on soutient encore énormément, qui avait acheté le cheval pendant la vente du Grand Steeple, et c'est merveilleux. Je suis ici avec la famille Bryant et c'est le monsieur Bryant, le fils de Magali, qui va récupérer le trophée en tant qu'éleveur. Et c'est un très grand plaisir aussi d'avoir cette interview avec Juliano qui a travaillé au Hara et qui a fait aussi le box de Juntos Ganamos à l'époque, qui s'est occupé de lui. Donc c'est une très belle émotion pour tout le monde, et sachant que la semaine prochaine à Arcana, on présente son frère par Saint-Dessin, dont je ne me rappelle plus le numéro de lot, mais on passe le yearling la semaine prochaine sous notre consignment Cours Hippodrome. Une occasion à ne pas rater, hein, parce qu'on le rappelle, la maman de Runtos Ganamos, Justine Micara, malheureusement aujourd'hui n'est plus de ce monde. Et ça aussi, à l'époque, c'était une jument qui a apporté de grandes joies au Hara et à Maggie aussi. Toute cette famille, toute la famille issue de l'Icara, qui a été Victoria Star, Justine Micara, c'est une grande famille d'AQPS et qu'on adore. Voilà,